Bonjour, bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Alors n'hésitez pas surtout de liker la vidéo si elle vous plaît et surtout n'oubliez pas si vous êtes nouveau d'activer la notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Vous êtes sur votre émission Pasteur Enseigne-moi. Je ne suis pas seul, je suis avec le prophète Ninos Ezekias Ngwama. Je suis le pasteur Nedine Simou et nous allons parler aujourd'hui du leader. Alors, prophète Ninos, shalom. Shalom, pasteur, et à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, comment allez-vous, prophète, déjà? Comme vous voyez, ça va. D'accord. Nous allons aujourd'hui parler d'un thème qui est très, très, très important, le leader. Sans plus tergiverser, nous allons passer rapidement au vif de notre sujet, prophète. Est-ce que vous pouvez nous parler, hein, on veut savoir c'est quoi un leader? Un leader, c'est beaucoup de choses. Okay. C'est devenu un mot très fréquent dans tous les coins de rue. Chacun dit leader, je suis leader. Mais aujourd'hui, nous allons partager l'agneau. On va disséquer l'agneau pour découvrir un tout petit peu ce qui est un leader. De par la définition simple, le dictionnaire dit que le leader, c'est une personne qui a une influence, soit positive ou négative, sur la vie des autres, des individus, tout comme la vie d'une communauté donnée. Et aujourd'hui, nous voyons plusieurs types de leaders. Okay. Il y a des leaders spirituels, il y a des leaders d'opinion, il y a des leaders politiques, il y a des leaders dans tous les secteurs de la vie. Quand vous avez des gens qui ont capacité d'influencer des tierces, ce sont des leaders. Maintenant, les leaders aussi, non seulement que c'est des personnes qui ont la capacité d'influencer, ce sont des personnes qui se distinguent de la majorité. Parce que quand vous regardez un groupe de personnes, pour sortir du lot de tout le monde et que vous devenez un électron libre, capable d'être remarqué dans un groupe, vous êtes depuis là un leader. Et depuis la nuit des temps, Dieu ne fait rien sans les leaders. Depuis la nuit des temps, c'est-à-dire dès le commencement du monde, Dieu a pensé aux leaders. Pourquoi le leader? Parce qu'il faut toujours un meneur, il faut toujours un guide. Et depuis la nuit des temps, vous allez voir au commencement, Dieu lui-même est le leader. Il est leader, il crée son business, il fait le ciel, il fait la terre. Et après, il place l'homme. Et quand il place l'homme, pourquoi il place l'homme? Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui gouverne, qui gère, qui organise. Dès lors que Dieu a créé le ciel et la terre, après avoir créé l'homme, Dieu n'a plus dirigé la terre. Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui pouvait être son représentant légal. Okay. Et c'était Adam. Et quand Adam a commencé à travailler dans le jardin, tout le soir, Dieu venait faire le suivi. Mais après avoir échoué, Dieu l'a éjecté de son paradis. Il sort et l'homme a commencé à se débrouiller, à vivre. Voilà, nous avons déjà de l'autre côté Caïn qui doit aller se débrouiller à vivre avec son cerveau, donc les païens. Et de l'autre côté, Adam qui reste sous les arbres en train de crier « Alléluia, célébrons Dieu ». Alors, à ce moment-là, nous avons, au fur et à mesure, à l'âge de la conscience, Noé va naître, je saute, hein, je vais plus loin. Noé va naître, Noé va être le meneur dans une génération pourrie où nous voyons des hommes perdre les valeurs. Il faut un leader, un meneur. Et ce meneur, il doit briller par quoi? Par l'intégrité, la dignité de sa personne et sa moralité. L'attitude et le caractère de Noé fait de lui un leader des générations. Et après avoir eu Noé, il y a eu le déluge, 8 personnes sont restées. Noé reste le leader. Il recommence le monde. Okay. Et après avoir recommencé le monde, ainsi de suite, Abraham naît. Dieu va faire finalement une alliance avec Abraham. Okay. Et après avoir fait l'alliance avec Abraham, Abraham va devenir le meneur. Donc le père d'une alliance éternelle. Okay. Qui va aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous tous nous appelons le père de la foi. Donc il va être le leader d'une génération encore après Noé. Mais après Abraham, parce que jusque-là avec Abraham, c'est l'âge de la conscience. Noé, Abraham, c'est l'âge de la conscience. Il n'y a pas la loi. C'est la conscience qui guide l'homme. Dieu parle par la conscience. Après Abraham, on saute 2-3 générations, Isaac, Jacob. Nous tombons sur un autre leader qui est Moïse.
À partir de Moïse, nous voyons que Dieu décide désormais de conduire l'homme à travers les textes, à travers la loi, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va, le peuple va décider de ne plus être conduit par un Dieu invisible. Okay. Le peuple va aller fabriquer ses dieux, son Dieu, le veau d'or. Jusque-là, le peuple est à la recherche de quelque chose. Okay. Jusqu'à ce qu'on tombe sur Saoul, à la génération de Samuel, où le peuple dit, nous sommes fatigués d'être dirigés par un Dieu qu'on ne voit pas. Nous, on veut un roi. Et à ce moment-là, Dieu change la législation. Il part de la conscience à la loi et de la loi à la royauté. Donc, il faut un homme désormais qui dirige les hommes. Okay. Et donc, à partir de là, il y a eu l'instauration de la royauté, du pouvoir humain qui devrait diriger les hommes. Donc, le pouvoir a été mis. Et depuis là jusqu'à ce qu'on arrive à cette génération, l'homme a toujours eu besoin d'un leader qui le guide. Voilà pourquoi, depuis la nuit des temps, il n'y avait pas de roi sans prophète. Il fallait toujours un leader sur un autre, un leader sur un autre. Et Ecclésiaste le dit, sur un fort, il y a un plus fort. Mm-hmm. Et sur un plus fort, il y a un autre plus fort encore. Mm-hmm. Pour montrer simplement la nécessité de du leadership au milieu des hommes, même dans le royaume de Dieu. Alors, prophète, tout à l'heure, vous avez cité plusieurs leaders. Vous avez dit leader... dans le monde, dans le milieu religieux, leader dans le milieu politique. Mais devant, comme on est en train de parler de ce sujet, devant tous ces mots, il y a leader. Alors depuis tout à l'heure, vous êtes en train de parler plus d'un côté assez positif du leadership. Alors si le leader peut emmener les gens à la perdition et aussi les emmener vers le salut, comment véritablement, par quels critères pouvons-nous reconnaître un leader tout court? Un leader... c'est un influenceur. Quand on parle d'influenceur, c'est-à-dire c'est une personne qui a la capacité d'imposer ses opinions sur les autres. Okay. C'est comme je prendrai le cas des pasteurs. Okay? Les pasteurs sont des leaders d'opinion. C'est-à-dire c'est lui qui a lu le verset, c'est lui qui l'a compris. Mmh. Nous les fidèles, nous n'avions pas lu la Bible avec lui. Mmh. Nous sommes 2, nous sommes 10, nous sommes 1 million. Nous venons nous asseoir pour écouter un leader d'opinion qui nous explique vrai ou faux ses histoires. Il nous dit ça, il raconte, il bombarde et nous on prend note. Et nous devenons le résultat de son influence. Ça veut dire ce que lui nous communique, c'est ce que nous devenons. Okay. Donc un leader qui rien que par sa vie, rien que par ses attitudes, on peut comprendre, Jésus le dit, que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc un bon leader, c'est celui qui est intègre, honnête. Et quand on parle d'intégrité et d'honnêteté, c'est l'une des valeurs vantées par les Écritures à travers lesquelles on reconnaîtrait des vrais serviteurs ou des vrais leaders dans le monde. Maintenant, quand un leader brille d'une immoralité, hein, vous savez, il a même été dit dans les évêques, toujours c'est des leaders parce que c'est des meneurs, il a été donné des critères sévères avant que quelqu'un ne soit appelé à exercer les fonctions sacrées, notamment mari d'une seule femme, pas donné au vin, il doit avoir une attitude honnête vis-à-vis de l'argent, il doit pas, hein, la Bible dit qu'il ne doit pas être attaché à un gain sordide ou à un gain honteux, il ne doit pas gagner la vie malhonnêtement, hein, fabriquer des prophéties pour soutirer, voyez. Donc tout ça, un leader, on le reconnaît bon par les actions qu'il pose. Il doit avoir les actions humanitaires et salutaires. Okay. Il doit avoir le souci du salut des gens et non de la perdition des gens. Alors, est-ce que cette définition du leader, prophète, est-ce que c'est selon vous ou c'est véritablement selon, on va dire, l'avis universel? C'est selon la Bible d'abord. Raison pour laquelle je reste dans les Écritures en tant que prophète. Mm-hmm. Je reste dans les Écritures. J'ai commencé par énumérer la Bible, en parlant des leaders. Donc, il y a certaines définitions qui viennent de la Bible, certains mots viennent de la Bible, mais l'apôtre Paul disait aussi, ce n'est pas un homme spirituel que je vous parle, c'est moi, Paul, qui vous parle. Donc, le frère Paul, quand il parlait, il y a des textes où c'est lui, Paul. Donc, il y a des endroits où ce serait la Bible, mais il y a des endroits où aussi ce serait moi qui parlerais. D'accord. Mais donc, comme on sait que vous parlez selon la Bible, on dirait que c'est la Bible qui parle. Mais la Bible dit poussé par l'esprit. Donc, même si c'est moi qui parle, mais c'est poussé par l'esprit. Donc, on ne dit rien de nous-mêmes. Alors, est-ce que il y a des circonstances, on va dire, prophètes, qui
qui peuvent être réunis pour faire naître un leader. Ah, là, tu es en train de toucher vraiment un sujet profond. Vraiment un sujet très profond parce que les leaders naissent de plusieurs facteurs. Dans un environnement, il y a plusieurs facteurs pour qu'un leader naisse. Déjà, le premier cas, il y a des leaders par vocation. D'accord. Le cas biblique, c'est le leader comme c'est Jérémie. Nous voyons Jérémie ne pas improviser une vocation. Okay. Jérémie, depuis le ventre de sa mère, la Bible dit « J'étais connu avant que tu ne sois né ». Tu vois, elle veut dire à l'éternité, avant qu'il ne soit une masse informe dans le ventre de sa mère, déjà Dieu le connaît. Okay. Donc, c'est des leaders qui naissent avec des vocations. Mais est-ce qu'ils sont au courant eux-mêmes? Je suis en train d'arriver. Okay. Une fois qu'un leader est né par vocation, Jérémie lui-même est né prophète. Mm-hmm. La Bible dit qu'il a été consacré prophète depuis le sein de sa mère. Mais il naît comme tout le monde. Okay. Il grandit comme tous les autres enfants, mm-hmm. timide, incapable de s'assumer, jusqu'à ce qu'à 10 ans, le Seigneur se révèle à lui. Et quand le Seigneur commence à lui parler, il se dédouane. Que dit-il? Non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas bon. Et pourtant, il est un leader né. Mais les circonstances n'étaient pas encore organisées pour que le leader se découvre. À ce stade-là, le leader qui est né avec une vocation n'a pas besoin d'aller chercher autre chose pour qu'il le devienne. Mais celui-ci n'a besoin que d'une découverte. Mmh. Ça veut dire qu'il doit y avoir un événement qui va créer un déclic. À partir de cet événement, il découvre qu'il est le leader. Et là, c'est la rencontre avec Dieu qui révèle à Gédéon que c'est un prophète. Okay. Mais Gédéon lui-même ne sait pas qu'il est né prophète. Okay. Donc, il y a des informations et aussi des lieux que nous devrons arriver pour que les vocations se découvrent. Est-ce qu'en découvrant ces vocations-là pour ces leaders nés, est-ce qu'il est possible qu'un leader né à qui on vient informer, comme le cas des éléments que vous avez cités, est-ce qu'ils peuvent ne pas effectivement bien accomplir leur mission de leader? Tous les grands et les bons leaders dans les Écritures n'ont jamais été des leaders comme les leaders du 21e siècle qui vont sur des montagnes demander l'appel. Il y a des gens qui aujourd'hui supplient même Dieu de les appeler. Appelle-moi Seigneur, vraiment viens, appelle-moi. Non, les leaders ont toujours été des personnes qui ont fui ce que Dieu leur confie comme tâche. Okay. Quand vous lisez Moïse était leader né. Mais regardez toute la vie de Moïse, jusqu'à 80 ans, il ne sait pas qu'il va devenir l'homme selon l'homme que Dieu avait appelé. Mmh. Quand vous lisez Abraham, regardez le doute entre la croyance et le doute. Regardez comment le père de la foi se bat. Et quand on devrait écrire le témoignage divin d'Abraham, il a fallu réellement que l'on se souvienne d'enlever certaines erreurs de la vie d'Abraham pour que l'on l'établisse comme le père de la foi. Mmh. Parce que si c'est point après point, je vous assure, je peux lever ma main et dire qu'Abraham n'était pas un bon leader. De par sa vie, de par ses fautes, de par ses erreurs, on peut dire qu'Abraham n'a pas été un bon leader. Mais puisque c'est Dieu qui rend témoignage de ces hommes-là, que devrons-nous faire? C'est d'accepter exactement ce que Dieu fait. Donc je repartirai dans ce que je disais. Jérémie était un leader puissant, mais un leader qui découvre sa vocation après quelques années. Donc le premier type de leader, c'est des leaders qui naissent, des vocations qui naissent. Ils sont consacrés depuis le sein de leur mère. Ils ne passent naturellement pas par des grandes écoles pour apprendre ce qu'ils font. Ils sont aussi souvent naturellement des autodidactes. Ça veut dire qu'ils naissent avec des facultés qu'on appelle la loi de l'esprit et de vie. Okay. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne lui as pas appris, mais tu es surpris de le voir faire. Mmh. C'est un leader né. Il est né avec. Dans la loi de l'esprit de vie, il y a comme des clichés imprimés dans l'esprit de la personne où elle a des informations sans les apprendre ailleurs. Okay. Ce que les autres vont apprendre à l'école, lui, il dort, il se réveille, il sait ça. Est-ce que ce genre d'information, on va dire cette sorte d'information innée, est autant, on va dire, on va mettre au même pied d'égalité que ceux qui ont appris?
les leaders qui n'ont pas appris naturellement les autodidactes sont beaucoup bien plus en avance que ceux qui vont dans les écoles. Je vais m'expliquer. Celui qui a inventé la lumière vivait comme tout le monde sans lumière. Où a-t-il vu la lumière pour l'inventer? Donc, il ne l'a pas appris. Le fait de l'inventer, il est en avance par rapport à vous. Tu vois, quand Jésus vient, il n'a pas appris la Torah. Jésus naît, la parole, faite chair. Jean 1, 14. Jésus est né, la parole. Et quand les autres docteurs passent du temps en train d'apprendre la parole, lui, il vient, il tient déjà des discussions sans avoir été à l'école. Et vous voyez même dans un verset de Luc, il est écrit, comment celui-ci qui n'a pas été à l'école peut sortir toutes ces choses de lui? Donc, un leader né, il naît avec des informations dans son esprit liées à sa mission. Et quand il arrive au point nommé où il doit rentrer en action, il rentre en action. C'est vrai qu'il peut arriver des fois où il peut passer sous les pieds de quelqu'un. Parce qu'on peut sortir d'une école. Tout comme l'école, ce n'est pas seulement là où on va apprendre. À l'époque, on apprenait sous le mbongi. Ça veut dire les grands-parents, les gens qui ont de l'expérience. Ils peuvent être des grands formateurs, des gens comme les Paul. Ils sont sortis du pied de Gamaliel. Tu vas voir des gens comme, comme Moïse. Tu vas voir des gens comme les Élisée. Élisée sort de l'école Élie. Ça veut dire qu'il n'a pas été dans l'école de tout le monde. Lui, son école, ça a été un homme, un individu, institut. Tu vois, il y a des hommes instituts. Et quand ces personnes-là sont sur votre route, automatiquement, les vocations naissent. Deuxième type de leader, ce sont les leaders par position. Par position. Voilà, il y a des leaders nés et il y a des leaders par position. Okay. Les leaders par position, ce sont des leaders comme le cas des rois et des sacrificateurs. Okay. Ça veut dire qu'il est leader par position. Pour être roi, il fallait naître d'une tribu. Peu importe ta royauté, ta puissance, ton intelligence, tu n'es pas de Judas, tu ne peux pas être roi. Ça veut dire que c'est une lignée, c'est une position. Une dynastie. Non, c'est même pas, ça peut être une dynastie, mais c'est une onction en fait. Okay. Quand on parle de la tribu, ça n'a rien de dynastie. Okay. C'est une onction. Parce que Dieu a organisé le monde de cette manière-là. Et de cette façon, il a fallu que vous sortez du ventre ou des entrailles de Judas pour être roi. Ainsi, en Israël, les gens ne pouvaient pas penser à devenir roi parce que naturellement déjà, vous êtes disqualifié. Vous n'êtes pas de cette famille-là. Vous n'avez pas cette onction-là. Et donc, la position vous donne déjà une... permettez l'expression. La position vous donne une position. Mais est-ce que Saoul, lui, il était de la tribu de Judas? Oui, Saoul, quand vous remontez très bien la mèche, vous allez vous rendre compte que Saoul était de la tribu de Judas. Parce qu'il était un benjamite. Et parmi les personnes et la manière dont l'onction de Dieu était en train de travailler, vous allez répartir dans la généalogie de Saoul. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas pour rien qu'il va être sélectionné pour devenir le premier roi d'Israël. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous nous rendons compte que les rois sortaient par position. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui naissent forts, pas parce qu'ils ont travaillé, mais parce qu'ils sortent des familles où il y a déjà le pouvoir. Tu vois, si vous prenez le cas d'un président africain ou d'un président, prenons le cas d'un président quelque part, je ne cite pas, ils ne m'ont pas payé pour que je cite leur nom. Automatiquement, quand on regarde le fils d'un président, il ne va pas commencer à se débrouiller, aller à l'école en prenant le bus, aller à l'arrêt de bus. Sa position, ça veut dire la lignée dans laquelle il appartient, l'épargne de certaines tracasseries de la vie. Okay. Et il peut avoir un peu plus de vitesse dans la vie par rapport à quelqu'un qui a commencé par se chercher au fur et à mesure. Le Lévite aussi était roi, plutôt sacrificateur, par position. Ils sont sortis de la tribu de Lévi, donc il y a une onction de sacrificature qui les accompagnait. Donc il y a des leaders par position. Et troisième point, nous avons les leaders d'environnement. Les leaders d'environnement, ce sont des gens qui deviennent leaders en voyant quelqu'un faire. Okay. C'est-à-dire, il y a des gens, je prendrai le cas du président Mobutu, j'aime très bien cet exemple, partout dans mes conférences je donne ça. Le président Mobutu était journaliste, sans rêve politique.
Et en tant que journaliste, il est parti tendre son micro pour interviewer à l'époque un jeune politicien qui est Patrice Lumumba. Le fait qu'il tende son micro à Lumumba, le contact avec Lumumba dans cette émission a fait naître le politicien qui était Mobutu. Okay. Donc c'est des leaders d'environnement, ça veut dire il a vu un grand frère faire, il a vu une grande sœur faire, il a vu un musicien faire. Et dans son environnement, il s'est inspiré et de cette inspiration naît un autre leader. Donc c'est des leaders par environnement. Ok. Et le cas de Saoul, Saoul devient, se met à prophétiser après quoi? Après avoir été dans un cercle des prophètes. Et Saoul est-il devenu lui aussi roi? Non, il est devenu prophète. Non, il n'est pas devenu prophète. L'environnement dans lequel il se retrouve, eh ben, influencé la vie de Saoul. Donc on peut devenir aussi leader pour avoir été influencé par des gens. Nous tous, moi je suis devenu écrivain pour avoir suivi Moussa Konaté, paix à son âme. L'écrivain malien, je le suivais à la maison, j'étais avec toute ma femme, les parents étaient là. Mais moi, quand je suivais le documentaire de Moussa Konaté, avec son célèbre livre, Le prix de l'âme, automatiquement, le petit garçon que j'étais, j'ai commencé à transformer mes cahiers de cours. Ça veut dire, moi, pour lire un livre, même des dessins animés, à l'époque, il y avait les dessins de Lucky Luke, Tintin au Congo, tout ça. Et moi, pour bien comprendre le livre, il fallait que je reproduise tous les livres dans mon cahier de cours. Et j'ai des cicatrices sur mes mains où mon père me frappait parce que j'ai gaspillé toujours les cahiers. Mais on ne savait pas que c'était un potentiel écrivain quand même. Un potentiel écrivain. Meilleur écrivain, trois fois double brassard Congo Brazza. Et citoyen hein, d'honneur de Conakry. Grand clerc de la nation. Tu vois? Donc tout ça, on ne savait pas que ça allait venir. Mais il a fallu un déclic pour continuer. Ensuite, je vais encore avancer, Pasteur Nedi. Il y a aussi des leaders qui naissent par circonstance. J'aimerais par contre m'apesantir ici sur ce sujet-là. Ok, donc avant qu'on y aille, je voulais rappeler à nos internautes que nous sommes sur l'émission Enseigne-moi, Pasteur, sur votre chaîne. Venez à moi. Nous sommes avec le prophète Nino Sézékias Nguama. Je suis le pasteur Nedine Simou. Et nous sommes donc en train de parler du leader. Alors, prophète Nino, nous revenons donc sur le leader né par circonstance. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Les leaders qui naissent par circonstance, ce sont des leaders qui n'étaient pas attendus. Okay. Parce qu'il y a des gens, on pouvait lire des signes que celui-là, celle-là deviendra un leader. Mais les leaders par circonstance sont des gens que Dieu lui-même suscite. Parce qu'il y a des vocations aussi qui se provoquent. C'est comme à l'accouchement, nos mamans, nos femmes, nos sœurs le savent qu'il y a des fois où on provoque l'accouchement. Ça veut dire, on regarde l'enfant, l'état de la maman, on dit la grossesse là, elle n'est pas encore au point, mais on va provoquer l'accouchement. Et il y a des circonstances qui provoquent des vocations. Je prendrai déjà le cas de quelqu'un comme David. David pouvait être tout sauf ce qu'il est devenu. Parce que quand vous regardez, David est devenu la réponse à la guerre d'Israël, pendant que Goliath insultait l'armée d'Israël, le roi était présent, l'armée était présente. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas relevé les défis? Et David est envoyé par son père au front, pas pour la guerre, aller prendre les nouvelles de son frère, de ses frères, et aussi apporter du pain à ses frères. Mais quand David arrive, il regarde Goliath l'incirconcis insulter Dieu et l'armée d'Israël. Il dit non, cette affaire-là, ça ne passera pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'engager au front. Et quand il s'engage au front, il va terrasser Goliath. Il va devenir une réponse. Et vous savez, les leaders qui naissent par circonstance, je voulais dire, ce sont aussi des personnes qui sont dans le bénévolat. Okay. C'est-à-dire, ils ont des preuves mais sans caméra. Ça veut dire ils sont déjà des experts. Ils ne deviennent pas puissants parce que vous les avez filmés. Okay. Avant votre caméra, il a déjà fait des choses. Okay. Et ces choses-là, Dieu les a approuvées. Okay. Vous savez, quand David vient rencontrer Goliath,
pour ses frères, David, c'est un prétentieux, qu'est-ce qu'il veut montrer? Non! Le gars, avant votre caméra, avant d'arriver chez vous, il fait déjà ces choses, mais vous ne le connaissez pas. Il y a des gens qui respectent les autres parce qu'ils le voient au stade. Mais avant le stade, il guérissait les malades. Avant le stade, il faisait des miracles. Avant le stade, il chantait bien. Avant le stade, il parlait bien. Et le jour où le roi arrive et découvre la personne, c'est là où vous commencez à parler de lui. Donc vous, les médias, vous êtes toujours en retard. Et les leaders potentiels, ils existent quelque part. Ils tuent le lion, ils tuent l'ours. Personne n'est là. Et quand il vient, non, tu es un gamin, attention, c'est un gamin plus fort que toi. C'est un gamin capable de beaucoup de choses. C'est un gamin, mais l'histoire n'est pas connue. La dernière chose qu'il fera, c'est devant vous, devant vos caméras, pour que vous changiez seulement sa condition. Ça veut dire qu'il est puissant. Il est capable, ce qui lui manque, ce sont les finances. Alors, il y a Pasteur Nedi. Je voulais revenir, prophète. Bon, allez-y, finissez et puis on va revenir sur un point que vous avez évoqué. Oui, un point important. Parce que quand les leaders naissent par circonstance, ça veut dire, il est là, vous ne l'avez pas attendu, mais et pourtant c'est lui qui vient sauver le camp. C'est lui qui vient enlever la honte. Mais quand il vient, souvent ça commence par le mépris. Parce qu'un leader par circonstance, comme on ne l'attend pas, donc du coup, c'est quelqu'un que tout le monde va négliger. Voilà, on ne le connaît pas, lui encore c'est qui, personne n'a jamais parlé de lui, même pas une seule affiche. Mais attention, c'est un leader potentiel. Et quand vous lisez même dans l'histoire, vous allez voir les Michael Jordan, c'était des leaders par circonstance. Parce que Michael Jordan est devenu le meilleur basketteur des États-Unis. Tu sais comment ? Après avoir passé tout un match sur le banc de touche, on battait déjà l'équipe et l'entraîneur dit « Tu vas prendre les trois dernières minutes pour finir le match. » Donc c'était juste pour lui faire plaisir. Mais en trois minutes, il a relevé le défi de ce que toute une équipe nationale n'a pas pu faire. Donc ce sont des leaders comme ça. Ils sont nombreux, des Joseph. Joseph est devenu premier ministre qui s'attendait à ça. Il était même prisonnier. Il interprétait des rêves. Depuis son père, il va même jusqu'en prison. Il est en train d'interpréter les rêves dans une prison, mais qui le connaît? Personne. Et le jour où il y a une circonstance qui se crée, vous avez un leader qui s'est fait découvrir. Nous avons des Néhémie. Vous savez, parmi les personnages de la Bible que j'aime beaucoup, il y a Néhémie. Néhémie n'était pas prophète. Il n'avait ni prophétie, ni don de prophétie. Il n'était ni roi, ni maire de la ville ou bourgmestre. Il n'était pas tout ça. Déporté à Jérusalem, plutôt à Babylone, il apprend les nouvelles de la ruine des murailles de Jérusalem. Et il va voir le roi de Babylone. Il dit, roi, j'apprends que les murailles de ma ville sont en train de s'écrouler. Est-ce que vous ne pouvez pas me permettre de repartir, travailler un peu? Le roi lui dit, il n'y a pas de problème. Néhémie se lève, alors que c'était de la responsabilité du roi de rassembler tout le monde pour les murailles de Jérusalem. Mais Néhémie se lève parce qu'il est passionné. Vous savez, quand vous avez dans votre maison, dans votre église, des gens passionnés, faites attention. Ils n'ont pas des dons exceptionnels. Mais ce qu'ils ressentent, ça peut amener le pays à être honoré. Tu vois, et Néhémie s'élève, il dit aux autres, cette affaire nous concerne, levons-nous et allons bâtir. Et vous allez voir les Martin Luther King, tous ces hommes qui sont devenus des potentiels leaders, c'était des leaders par circonstance. Et voilà, c'était alors, donc, par circonstance. Si on peut revenir, prophète, sur un point que vous avez évoqué en parlant de David. Vous avez dit que David, lorsque son père l'a envoyé pour faire autre chose, mais il est venu trouver une circonstance et ça a fait de lui un leader. Est-ce que nous pouvons nous suffire au fait que de remporter une victoire fait de nous un leader? Le leader est celui qui se fait remarquer par aussi les réponses. Parce que le leader, c'est une personne qui apporte des réponses à une communauté ou à des individus. On n'est pas leader, c'est pour cela que j'ai commencé par définir en disant que le leader, c'est celui qui influence. Je ne parle pas des influenceuses qui vont manger n'importe quoi à Dubaï maintenant là. Je ne parle pas de ça. Moi, je ne parle pas de ça. Ça, c'est des influenceurs sur le plan négatif. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, il ne faut pas seulement apprécier le succès de quelqu'un. Moi, je n'apprécie pas le succès des gens. J'apprécie le parcours des gens. Moi, j'apprécie le parcours. C'est-à-dire, je vois le parcours que tu as vécu. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as été? Qu'as-tu vécu? Qu'as-tu traversé avant d'arriver l'homme qu'on célèbre? Et vous savez, les gens veulent copier les résultats, mais ne veulent pas copier le parcours.
Et moi, je n'apprécie toujours pas la destination. Je ne sais pas dire merci à Dieu parce que je suis arrivé. Je dis merci à Dieu pour le chemin. Ça veut dire ce que je fais, je vis, ce que je traverse, là où je pleure. J'apprécie ça parce que les pleurs d'hier, mes échecs d'hier sont devenus les cantiques d'aujourd'hui. Donc, il y a certaines choses aujourd'hui que nous vivons, ce sont des victoires que nous avons remportées qui font aussi de nous des personnes triomphantes dans le monde, tout comme dans le royaume de Dieu. Alors donc, déjà remporter une victoire, comme vous avez parlé de David, cette victoire était donc la réponse à un problème que Israël avait rencontré. Mais ensuite, est-ce que le leader s'arrête là? Parce que vous, lorsque vous avez parlé précédemment de certains leaders de la Bible, vous avez parlé d'une mission qui accompagne le leadership. Est-ce qu'on reste là? Est-ce que la victoire suffit? Est-ce qu'il n'y a pas une mission qui continue pour le leader? Il y a forcément ce qu'on appelle le mandat dans la vocation. Vous pouvez avoir une vocation, mais sans mandat. Tu vois? Moïse reçoit l'appel sur la montagne. Dieu lui dit, viens. Moïse arrive. Ôte tes souliers, le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu sanctifié, ainsi de suite. Dieu lui parle, d'accord? Mais après avoir parlé, Moïse ne descend pas de la montagne avec un appel simple. Il descend de la montagne avec un mandat. Ça veut dire, Dieu lui dit, je t'ai appelé, va voir Pharaon et dis-lui de libérer le peuple. Donc, il y a forcément une mission dans chaque appel. Et ce qui montre que dans un appel, il y a une mission, c'est un, on copie rarement les gens. Vous savez, quand vous voyez les gens être, nous à l'époque, on disait corrigateurs. Hein? Et corrigateur, quand on était petit, on disait, si tu vois quelqu'un faire comme tu dis, qu'il est un corrigateur. Donc, des gens qui copient, qui reproduisent, c'est comme aujourd'hui, nous avons un problème dans l'église. Un frère ou une sœur compose sa musique, et quelqu'un, il va prendre cette musique-là, il va interpréter autant de fois sans parfois même demander l'autorisation au propriétaire de l'œuvre. Et ça, c'est un problème que nous avons dans l'église. Vous n'allez pas voir un chanteur profane aller faire un cover d'un autre. Ça montre à suffisance que les gens ne prennent pas le temps de chercher quelle est leur mission dans leur appel. Ok? Je ne ferai pas une prédication après avoir suivi Teddy Jakes ou Miles Monroe prêcher. Je ne ferai pas une prédication ou écrirai un livre parce que j'ai vu Papa Oyedepo ou Bishop Dag publier son livre et ensuite moi, j'ai fait du plagiat. Non, il faut repartir à la base. Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a envoyé? C'est ton message. Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a envoyé? C'est l'authenticité. Ça veut dire qu'il y a un côté particulier que tout le monde n'a pas. Quand tu te mets au travail, tu ne fais pas comme les autres. Okay. Tu ne fais pas comme tout le monde. Mais et pourtant, nous sommes dans un monde où Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On peut prendre, on peut améliorer, mais il faut que l'authenticité, ça veut dire votre particularité, soit connue. Quelque chose qui vient de vous. Voilà, vous ne me verrez jamais faire des croisades. Parce que dans mon appel, il n'y en a pas. Non. Si vous me voyez faire une croisade, je fais une croisade en tant que chrétien. Qui Jésus dit, allez gagner les âmes. Ça veut dire, là, je ferai une croisade en tant que chrétien. Mais pas en tant que, comme évangéliste Jacques Miekoutima, ou comme Célestin Koudédé, ou comme Kiziamina Kibila, des évangélistes comme ça. Je ne ferai pas comme eux. Vous me verrez que dans les salles de conférences. Parce que là, dans les salles de conférences, c'est mon appel et il y a la matière. Tu vois? Donc, au fur et à mesure, chaque personne doit répartir. Tout leader vrai, que ce soit appelé, que ce soit des circonstances, que ce soit d'environnement, que ce soit des leaders aussi improvisés. Hein, parce qu'il y a des leaders improvisés, ça veut dire des leaders brusquement, quoi. Brusquement, il est devenu leader. Alors, prophète, je vais repartir à une déclaration que vous avez faite au tout début de l'émission. Vous avez dit qu'il y a une différence entre les leaders du temps, comme on est sur la Bible, du temps de la Bible, du temps d'Abraham, du temps de Moïse, et les leaders du 21e siècle. Quelle est donc la différence que vous faites entre ces deux types de leaders? Si frère Pierre revenait dans notre église, il sera perdu.
Je l'ai dit dernièrement à l'église de la Compassion chez Pasteur Marcelo. Les frères ont posé la question. Ils ont dit, comment tu peux expliquer que Pierre serait perdu? J'ai dit, déjà quand Pierre viendra, il va être surpris de la tenue de nos cultes. Parce que Pierre, je ne suis pas sûr que dans leur église primitive, il y avait des modérateurs. Et quand il va voir les chantres, papa Droum, guitare basse, solo, quoi encore, tout ça, quand Pierre va voir ça, il va dire, ah, je n'ai pas laissé ça. Et quand Pierre va voir pasteur sur le pupitre, avec iPad ou téléphone en train de lire, il va dire, ça, je n'ai pas laissé, moi j'ai laissé les parchemins, j'ai laissé des rouleaux, tu vois. Donc, les défis des leaders aujourd'hui sont des défis du 21e siècle. Et vous savez, les fils d'Issacar, la Bible dit qu'ils avaient l'intelligence du temps. Le leader du 21e siècle doit avoir l'intelligence du temps. Quand Jésus disait à l'époque, dans Matthieu 28, allez partout. Vous savez, aucun être humain ne peut aller partout. Si je suis assis sur ce plateau et qu'on me voyait à Bandal ou qu'on me voyait en Caï, quelqu'un va se dire, mais à peine il est sur le plateau et on le voit encore en Caï, c'est pas bon. Ça devient de la sorcellerie. Ok? Mais Dieu est capable aujourd'hui, à notre époque, de pouvoir emmener des leaders à devenir des véritables réponses, mais en tenant compte des moyens d'aujourd'hui. Quand Jésus disait « aller partout », il était en train de dire qu'un temps viendra où vous aurez la capacité d'aller partout, mais en étant sur place. Tu sais, par exemple, nous sommes sur ce plateau-là, ici-là. Combien de gens dans leur maison et dans leur téléphone nous suivent? Donc, par la télé, nous sommes allés partout. Effectivement. Raison pour laquelle moi je pense que les leaders du 21e siècle devront coopérer avec les moyens techniques d'aujourd'hui parce que ce sont des moyens qui nous permettent d'aller partout et de répondre à la parole de Dieu. La seule différence c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas certaines choses, mais aujourd'hui il faut prendre en compte les moyens à notre disposition, combien même cela soit inspiré de l'autre côté. Mais nous, on en fait bon escient. Alors, nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de cette émission. Je rappelle que je suis le pasteur Nedine Simou et nous avons reçu le prophète Ninos Ezekias Ngwama. Nous sommes donc en train de parler des leaders. Alors, prophète Ninos, on va aller sur cette dernière question. Est-ce que nous avons vraiment besoin des leaders? Est-ce que il y a une famille sans chef de famille? Est-ce que ce serait bien qu'il y ait un pays sans président? Est-ce que ce serait bien qu'il y ait un avion sans pilote? Est-ce que ce serait bien qu'il y ait un véhicule sans chauffeur? Je suis en train de répondre. Est-ce que ce serait bien qu'il y ait un monde sans Dieu? Raison pour laquelle, depuis la nuit des commencements, Dieu lui-même établit ça. Ce n'est pas un verset de mariage. C'est un verset qui a été mis, une parole qui a été donnée à l'humanité pour établir le sens des relations humaines. Ça veut dire montrer la nécessité ou le besoin des autres. Quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'était pas le mariage. On peut l'appliquer au mariage, mais ce ne serait pas bien qu'un patron soit son travailleur. Ce ne serait pas bien qu'un pasteur soit son fidèle. Ce ne serait pas bien qu'un pays soit son président. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a toujours forcément besoin d'une autorité au-dessus de nous. Même quand nous sommes pasteurs, indépendants à la tête d'une communauté, j'ai ma mère spirituelle, Annie Carmel Otombongo. Aujourd'hui, j'ai ma mère. Mais pourtant, je suis pasteur indépendant exerçant dans une communauté. Leader dans une communauté, mais il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Et sur Carmel Auto, il y a quelqu'un, sur l'autre, ainsi de suite. Donc, on a toujours besoin des leaders. Alors, qu'est-ce qui arriverait au cas où il n'y a pas de leader? Ce qui arriverait au cas où il n'y a pas de leader, c'est la catastrophe. C'est le manque de direction. C'est le manque de vision. C'est le manque de feuilles de route. Ça veut dire tout sera improvisé. Et un de mes grands, le pasteur Calice, dit souvent, la meilleure façon d'improviser, c'est d'être bien préparé.
la bonne préparation vous amène à une bonne improvisation. Et on peut aujourd'hui vivre le chaos dans le monde juste parce que nous avons des leaders aussi de façade. Il peut y avoir des leaders, mais qui n'ont pas assez d'influence pour modifier les choses. C'est, je crois que sans leader, ça ne serait pas bien. Mm-hmm. Sans chef, ça ne serait pas bien. Mm-hmm. Sans quelqu'un qui vous guide, ça ne serait pas bien. Donc, il faut que chaque être humain le sache, que les leaders sont placés devant nous, sur nous, à côté de nous, sur nous, pour simplement nous donner des directives, des directions, mais aussi continuer à donner de l'impulsion à ce monde qui va vers sa fin. Leader implique suiveur. Il n'y a pas de leader sans suiveur. Alors si de la communauté de ce leader-là, quand il y a des suiveurs qui sont derrière lui, si de ces suiveurs naissent un autre leader ou plusieurs leaders, comment ça se passe entre eux, la cohabitation? C'est déjà très bien. J'ai cru que tu avais posé la dernière question, mais comme tu ajoutes, on va répondre. Ce qui est très vrai, c'est que dans une génération, même la Bible dit, hein, une génération s'en va et une autre arrive. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de nouvelle génération sans transition. Okay. C'est-à-dire qu'il faudrait que cette nouvelle génération qui vient après l'autre doit savoir qu'il n'y a pas cassure des générations pour avoir une nouvelle génération. C'est un principe de relais, de bâton. Celui qui a le bâton doit te remettre le bâton. Comme aux Jeux Olympiques. Voilà, comme aux Jeux Olympiques, okay, pour que la poursuite se fasse. Okay. Donc, les leaders qui étouffent les autres leaders qui naissent de leurs entrailles tuent leur grandeur. Parce que Josué ne deviendrait grand que sous Moïse. Mm-hmm. S'il n'y a pas Moïse, il n'y aurait pas Josué. Mm-hmm. Élisée ne serait Élisée que parce qu'Élie est là. Mm-hmm. Sinon, et on devrait avoir... on ne devrait pas avoir Josué. Il fallait que Moïse soit là. Et il n'y aurait pas 12 apôtres sans Jésus. D'accord. Donc quand les leaders naissent, il faut les prendre en compte, il faut leur aménager une place et les pousser pour qu'eux aussi, à leur tour, jouent un rôle important. Chaque fois qu'il y a un leader qui sort d'un autre leader, c'est que Dieu a trouvé l'occasion et le moyen d'étendre ce leader-là. Quand vous avez d'autres leaders qui naissent, ne les étouffez pas. Donnez-leur la possibilité d'émerger, parce que plus qu'eux, ils émergent, c'est votre nom qui devient grand. Abraham n'a pas eu beaucoup de gens, mais beaucoup d'enfants, pas 10. Mais il a fallu que Isaac naisse, Jacob naisse, pour que le nom d'Abraham devienne grand. Donc il y a des promesses qui se réalisent en fonction aussi des leaders qui sortent de nous. Alors, prophète Ninos, leader par appel, leader par d'environnement, si j'ai bien maintenu, leader par circonstance, où est-ce que vous vous placez? Bon, moi je pense que je suis, je ne vais pas dire tout. Moi j'ai découvert mon appel et donc je ne suis pas Jérémie. Mm-hmm. Jérémie est peut-être l'un des rares prophètes à être consacré depuis le sein de sa mère. Mm-hmm. Et c'est aussi l'unique problème. Je vais laisser un problème aux téléspectateurs pour la prochaine fois quand on nous inviterait. Nous parlerons du principe prophète des nations. C'est devenu trop. Hein, tout le monde se réveille prophète des nations. Dans toute la Bible, il n'y a eu qu'un seul prophète des nations, c'est Jérémie. Et nous allons découvrir pourquoi il était prophète des nations. Ce n'est pas parce que tu voyages beaucoup que tu es devenu prophète des nations. Moi, je voyage chaque semaine. Là, ça fait un mois. J'ai fait 9 pays en un mois. Mais je ne suis pas prophète des nations. Tu vois? Donc, je me place du côté des leaders... du côté des leaders... Par circonstance. Par circonstance. Okay. Parce que ça a été par circonstance que je me suis découvert. Et je suis comme Némi. Non, pas comme Némi. Non, non, non. Le papa que j'aime beaucoup là. Élisée, le chauve. Élisée. Tu sais, Élisée, il demande quelque chose à Élie. Élie ne le lui donne pas. Hein. Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, Élie est emporté par le char d'Israël. Et quand Élisée dit char d'Israël et sa cavalerie, la Bible dit Élie jeta son manteau à terre. Il n'a jamais jeté le manteau sur Élisée. C'était à Élisée de comprendre la responsabilité de la relève.
Ce n'était pas à Élie de lui dire tu vas me succéder. Non, c'était à lui de comprendre le vie à Marseille avec ça. Ça, c'était donc Élisée aussi était un leader par circonstance. Okay. Il est devenu prophète après le départ de son père. Okay. Donc moi, je suis peut-être de ce rang-là. D'accord. Merci en tout cas, nous avons suivi en long et en large le développement de ce thème, le leader avec le prophète Ninos Ezekias Nguama. Vous étiez donc dans votre émission Enseigne-moi, pasteur, sur votre chaîne, venez à moi. Alors, je disais que ceux qui ne sont pas encore abonnés, activez les notifications afin de recevoir toutes nos prochaines vidéos. Vous étiez donc avec le pasteur Nedine Simou. Merci donc de nous avoir suivis. Venez à moi tous. C'est les cultes personnels, en famille, collectif et plus. Ordre et mission, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Live, musique, événements, prédication, enseignement, lecture et méditation de la parole des dieux, témoignages, le direct et beaucoup plus encore. Jésus, il appelle tous les mondes, à l'exception des personnes. Venez mon frère, au travers de nous. Venez mon frère, au travers de cette œuvre. Nous œuvrons sur les médias. Pour toi, et pour moi, et pour tout ce que le Seigneur permettra. Et cela pour sa gloire, dans le nom éveillé et glorieux de notre Seigneur Jésus. Partagez et abonnez-vous massivement. Venez à moi tous. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur.